Avant l'islam, les gens jeûnaient comment? En ne parlant pas. Ils faisaient le vœu de ne pas parler aux gens. Et c'est pour ça que certains commentateurs du Coran ont dit, donc le siyam, c'est le jeûne tel qu'on le connaît nous, et sawm, c'est le fait de jeûner comme les gens jeûnaient avant, c'est-à-dire en ne parlant pas, etc. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus jeûner comme ça, les musulmans. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux niveaux de jeûne. Il y a un jeûne qui considère que tu dois t'arrêter de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels. Mais ce jeûne-là, il n'est que là pour t'amener à un autre niveau, qui est le niveau du saum. Et le niveau du saum, c'est quoi? C'est se tourner entièrement vers Allah.